Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, on va parler politique. Et c'est avec les questions politiques qu'on a pour refermer semaine ça dans mise au point. Samedi, il y a un rendez-vous au niveau de la Chambre des députés avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Séance qui était campée, il a dû reprendre samedi à 10h du matin. Séance interpellation. Là, maintenant, après ça qui passé le week-end qui se passait là, nous connaissons toute réaction, le président républicain a rencontré un peu le secteur. Et là, au niveau de la Chambre des députés, le groupe majoritaire a eu une rencontre, et on dit hier, et après la rencontre, il semblait gagner une soixantaine de députés qui ont désolidarisé à gouvernement. Est-ce que c'est vous, c'est pas vrai? Nous avons regardé ce matin, il y a deux membres dans le groupe majoritaire qui vont aider à comprendre ça. Mais matin, tout, dans le tweet chef gouvernement, eh bien, il soulignait il sera au rendez-vous de l'histoire demain au Parlement pour lui répondre à et séance interpellation que député de l'opposition fait. On a tout ça et qui ça et séance ça capable porter. Est-ce que entre temps chef gouvernement capable démissionner? Qui Jean dans rapport que le groupe Laga président qui Jean président pour comprendre des machoa. C'est entre autres points que pral dans mitan discussion avec député Corail Rolf Papillon, député Thomas Sika Francisque Delacousse qui a accepté répondre question nous. Peut-être tout une idée de comment séance si avec séance demain et d'un chef député pour passer. Député Papillon, son plaisir, pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour, moi aussi. Député Jacques, son plaisir. Bonjour, c'est Gino. Moi, salue Pepe Haïtien. Moi, salue avant tout collègue Rolf Papillon, le député de Corail. Et moi, salue Pepe Haïtien. Moi, salue Moun Thomasik. Et tout Pepe Haïtien, n'a pas informé sa sortie dans la rencontre qui était faite hier après-midi. Et qui ça? Nous sortir avec elle, nous avons pour devoir c'est informer le peuple haïtien. Nous espérons quand même nous allons passer une trentaine de minutes ensemble pour nous capables d'informer le pays et le monde d'abord. C'est ça, parfait. Alors, vous pas majorité, combien vous avez de députés à bien? Non, 72 à peu près. 72 députés. Mm-hmm. Alors, pas de défection jusqu'à présent? Non, 72 députés, mais en fait, à partir de 60 députés, ça veut dire que groupe majorité là, il suffit à lui-même. Pour le faire et défaire, à partir de 60 députés, c'est une majorité qui a besoin pour faire son vrai. Donc nous avons 72 députés et à ma connaissance, pas gain de fiction. Mm-hmm. Mais au fait, son groupe qui a supporté l'action gouvernement. Oui. Et quel que soit l'agence, ça y est. Non, pas quel que soit l'agence, ça y est. Nous ne sommes pas capables, en tant que des hommes d'État, des élus qui gagnent un peuple qui vote nous, qui veut nous défendre l'intérêt. Et puis qu'on est à pour nous dire que nous avons soutenu quel que soit Jean Saïe. Ce n'est pas un support inconditionnel. C'est un support parce que nous partageons vision gouvernement, nous partageons rêve président Jovenel Moïse en particulier. Donc nous décidons pour nous donner tout support que nous méritons, que nous besoin au niveau de la Chambre. Mais ce n'est pas un support inconditionnel, ce n'est pas un chèque en blanc. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation, comme par exemple c'est le cas aujourd'hui, côté que sécurité nationale est menacée, lorsque stabilité politique pays est menacée, et si vous voyez le jour où il y a un parti dans le pouvoir qui pas vraiment comprendre sa capacité, il est de notre devoir de réagir parce qu'il faut savoir que le pouvoir arrête le pouvoir. Et là, nous avons une situation, côté que nous avons vraiment sentiment de sa capacité. Là. Et tant qu'on a dit que nous avons marché avec le monde, et puis on sentit que mon abdomen est volant. On dit attention, on va dormir. Il dit non, on va dormir, comment ça va faire? Il dit on va dormir, il dit non, on va dormir. Et puis quelques minutes après, la machine a quitté la route là, et puis il est dehors. Et puis quand on dit mon abdomen, il dit non, on va dormir, mais quittez-moi, je suis toujours. Non, on n'est pas capable. Là, nous revenons au point que pour notre propre suivi, et pour suivi, nous sommes obligés de reprendre volant. Et c'est ce que je viens de faire hier soir. La majorité de mes collègues, donc on a décidé d'un commun accord que nous désolidariser nous. Enfin, nous allons parler de ça. Oui, ministre. Nous allons parler de ça, mais au fait, député de la Cousse, le niveau groupe majoritaire, parce que député Pabio dit, nous avons assez député pour faire une séance, mais une critique, tu vois, le groupe majoritaire, pas de assez séance qui fait, malgré nous en pile, nous pas arriver à voter un nombre imposant de lois le niveau champ de député. Ça qui passe. Qui voulait me dire? Donc, encore une fois, peuple haïtien, souhaitait que tout le monde branche radio-télévision nationale. Matin. Et pour l'histoire et pour la vérité, au niveau et 50e législature haïtienne, nous-mêmes, nous entrons, nous pensons que c'est une législature qui est plus productive. Ah bon? Parce que nous votons plus de 50 lois déjà. Et ça, pas secret pour personne.
sous l'eau capable de vérifier. Et nous-mêmes, par rapport à la conjoncture politique, là, qui fait que nous avons retardé par rapport à l'ensemble des séances que nous étions supposés reprendre. Donc, et nous allons mettre notre travail parce que dans le moment, il faut que nous devons retarder, suivre des conjonctures, comment qui positionne nous supposés prendre. Et parce que le rôle du Parlement, l'ILA, non seulement pour légiférer, mais quand même, une position pour le prendre par rapport à la conjoncture politique là, parce que le pays a des problèmes. Le pays a pas seulement voté loi. Oui, ou bien on va voter toute loi qui gagne, puis le pays a toujours tombé dans le problème. Il y a toujours une instabilité. Il faut contrôler tout ça. Nous-mêmes, nous avons un gouvernement où on est position par rapport à fonctionnement du gouvernement, ça, malgré ma support du gouvernement, action gouvernementale là. Mais par contre, nous constatons devant que le gouvernement lui-même n'a pas délivré marchandises là par rapport à ce qu'il était présenté devant nous. Donc, où on est moi-même, j'ai toujours dit, dernière émission que j'ai participé là-dedans, c'est là que le premier ministre lui-même était. Il a présenté non, c'est pour le général Léa. Donc, moi-même, des propositions claires que je gagne jusqu'à un an pour me capable qui ça, Premier ministre, pour le bail comme résultat. Parce que pas oublier que nous-mêmes, les députés, d'abord, nous gagnons une mission, c'est permettre que la CAI nous, non seulement pour nous capables de représenter valablement, mais par contre, il faut que nous accompagnions le gouvernement pour que. Ou ensemble des projets qu'il a fait, il faut qu'ils réalisent et puis il faut que nous avancions avec le pays, parce que le pays a un ensemble de problèmes là-dedans, il faut que nous attaquions. Donc, en gros, je suis capable de dire, gouvernement, député Thomas Ekla, pas satisfait des résultats, je prends position comme un député responsable, que je demande au président pour qu'il fasse un remaniement, moi, son maquillage qui fait, moi-même, comme député, je trouve que je ne me sens pas à l'aise pour me camper, pour me dire comme ça, bon, puisque ma support de gouvernement, l'Igen y a un remaniement qui fait, même si son maquillage m'oblige à observer pour moi des nouvelles têtes qui rentrent dans, qui intègrent dans le gouvernement, qui résultent à qui au bail. Or, puisque je regarde moi, malgré les 5 ministres qui rentrent dans le gouvernement, ces 5 ministres moi considérer que qui rentrent presque pour moi-même, qui n'ont pas rempli toute formalité légale pour rentrer dans le gouvernement. Le Parlement est prend responsabilité. Il y a un ensemble de députés qui prend, qui oppose par rapport à Jean ou te fait nomination, yo, ça te crée un petit problème. Parfait. Là maintenant pour deuxième session, et nous estimons notre travail déjà, nous travaillons assez. Et la deuxième session a commencé là. Deuxième session, pendant que nous entrons, et c'est le moment que tout le monde a un petit problème politique, bagaille, qui fait que nous commençons à voter 3 ou 4 lois, je crois. Donc, je vais réagir sur ça pour me dire que, en fait, ce n'est pas que je justifie le fait que parfois, il y a une séance, etc. Même dans la même que la population qui était votée, non, le monde qui attendait que par un quorum souvent bas, comprendre un petit peu comment il est facile pour que par un quorum. On prend par exemple la période fête patronale, qui est la période côté que il y a moins de séances qui fait en bas. Là, on prend la fête Saint-Pierre, par exemple, qui est la fête Corail. Moi-même, en tant qu'élu Corail, je n'ai pas qu'à payer le luxe que je n'ai pas Corail avec la population qui était votée pendant la fête Saint-Pierre. Mais la fête Saint-Pierre, son côté qui fêtait pendant dans au moins 8 circonscriptions. Fête Corail a fêté, par solidarité, député Pistella, député Beaumont et député Rosoa, ben, t'as une obligation pour accompagner dans la commune voisine. Même phénomène, non, sous multiplié par 8 communes qui ont fêté Fête Saint-Pierre, ça fait déjà 24 députés absents, au moins. En plus de ça, pour des raisons tout à fait légitimes, en plus de ça, députés sont toujours en voyage. Et tel parlement au Canada qui doit inviter, ou qu'on a une mission qui a fait par exemple en Norvège, ou qu'on a par exemple une commission forme qui doit en voyage pour sur question de droit forme, ça fait facilement qu'on gagne une cinquantaine de députés qui parlent là. Donc il ne faut pas comprendre que les pas de quorum, ça veut dire forcément que les députés ne sont pas faire rien, c'est députés qui est obligé parfois à accompagner. Il y a des fois tout que le président de la République là est en mission. Si le président de la République est en mission par exemple à Corail, comme ça a été le cas cette année pour question de Corail, eh bien, on va prouver que le député Koura a une obligation pour que l'y absent dans ces séances-là. Donc, autant de raisons qui sont capables de justifier que Koura maintenant l'y infirmé lorsque ce n'est pas délibéré que nous décidons d'infirmer Koura maintenant, qui c'est une manière parfois pour éviter un problème, etc. Maintenant, pour parler un peu de gouvernement par rapport à ça, député et collègue Mouetab dit à l'heure, Koura n'est pas fait partie, moi-même en tout cas, je n'ai pas fait partie de députés qui ne sont pas satisfaits de l'action gouvernementale. Je pense que si on arrive à Corail,
en un an et demi de pouvoir Jovenel Moïse, on a prouvé que le gouvernement cap travaille vraiment. Et si le résultat du gouvernement était bien courage, il était arrivé à Bali dans une vingtaine de circonscriptions à travers le pays, on pensait que nous avons plus force. On n'a pas rentré courage pour parler que une route cap fait. On n'a pas rentré courage pour parler qu'après le cyclone Mathieu, que y a caille qui fait courage. Et sous fond interview avec la population coréenne à tout, on apprend qu'ils sont satisfaits de ce gouvernement a fait. Ceci dit, en matière d'infrastructure routière, on n'a rien à reprocher. Maintenant, dans d'autres domaines, comme par exemple la santé, moi-même, moi, j'ai démarche auprès du ministre de la Santé, moi, j'ai gagné près de un an que moi présenté la situation de l'hôpital coréen. Et ça, moi, fait avec le Premier ministre, dans la résidence privée du Premier ministre. Mais un an après, pas de rien qui fait au niveau de l'hôpital Corée. Moi-même, quand je suis député, si je fais une disposition qu'on y a, comme ça a été le cas à Dame Marie il y a un an, un gros hélicoptère qui a venu chercher pour le sauver. Mais là, je ne suis pas député encore, c'est dans l'hôpital Corée là que je vais recevoir. Donc c'est pendant que je suis député là pour m'assurer que la Cameroun a l'hôpital qui a fonctionné correctement. Et lorsque qu'on y a là, moi soutenu au gouvernement, moi demandé au ministre pour l'intervenu. Il n'est pas intervenu, je vais continuer solidaire avec vous toujours. Parfait, parfait. Là maintenant, on a des situations qui ont été produites le week-end passé, à deux jours, et la rue bloquée, barricade, on n'a pas sorti. D'ailleurs, tout le monde était obligé d'être dans le bureau jusqu'à ce que la situation n'ait pas été plus ou moins claire. Ça qui arrivé. Il était prévisible selon nous, on pensait que c'était arrivé vrai, j'en ai passé à et député de la course. Ah bon, et je pense que ça passe secret pour personne. Mm-hmm. Par le fait que. Ça a passé vendredi, hein, et moi, lancé sympathie à peuple haïtien, qui tout le monde qui est victime, et d'une part. Et d'autre part, et moi, demandé pour que nous fixions la responsabilité à monde qui a supposé prendre responsabilité. Parce que l'affaire de gaz, là, son bagaille presque, qui a parlé presque un mois et demi, le gouvernement a annoncé qu'il supposait monter gaz là. Par rapport à problème économie. Tout le monde campé dit gaz là pas qu'à monter dans moment parce que c'est difficile par rapport à taux chômage, insécurité, la vie chère, yo bay tout bag, toute qualité. Mais par contre, nous-mêmes nous t'ai toujours dit que gouvernement li gen responsabilité, li gen un plan d'action d'abord. Mais par contre, faut contrôler tout. Si, situation économique pays a population en tout comment lié qui programme ou pral mettre sous pied pour capable gagner ça relé un apaisement là yo vinn monter gaz là même t'es toujours remarqué la gros éclatement social même si c'est pas un soulèvement populaire gens que nous te prévoir là parce que ça passe à Port-au-Prince il passé il pas passé dans l'autre département yo parce que bail qui fait Port-au-Prince là son bail planifié lié. Ah bon? On bail planifié parce que ouais c'est Port-au-Prince qui crasé. C'est Gino même ça me constater dans Port-au-Prince crasé. Parce que vendredi après-midi ou samedi m'étais dans la rue tant que tout le monde pensait ou dit monde te serré moi m'pas marcher sur machine officiellement même m'ai observé pour bref. Bon c'est des bagages qui passent son bagage beaucoup jambre bail comme ça. Donc moi-même, j'ai toujours dit que craser, briser, pas peine nous nulle part. Oui, le peuple a fait manifestation. Oui, les autorités ont pris décision, autorité ont pris décision. Ils ont sorti pour faire manifestation. Vous dites non, ils n'ont pas d'accord. Mais craser, briser, parce que y a un secteur dans la vie nationale, là, surtout dans le secteur politique, qui toujours dit si ce n'est pas eux-mêmes, il faut gagner des choucages. Si ce n'est pas eux-mêmes, il faut gagner craser, briser. Mais là, on fait craser, briser ça. Qui est-ce qui a payé les conséquences là? C'est moun qui n'a classe favorisée, moun qui plus mal, c'est eux qui payent les conséquences là. Donc moi c'est que ça qui passe vendredi avec samedi jusqu'à dimanche tout bas là c'est grave. Moi pense que là c'est ça qui renforce la conviction nous-mêmes au niveau du parlement pour nous capable prendre responsabilité nous quel que soit moun qui t'est doué prendre responsabilité yo yo pas prendre faut que sanctionner. C'était prévisible, député Papillon, ça qui passe là? Moi, comparer ça qui passe là à un tremblement de terre. Au sens que un tremblement de terre, elle produit son ensemble d'énergie qui n'a pas cumulé. Ou son pays, côté que, au grand ensemble d'inégalités sociales qu'il a depuis des années, depuis plus de 100 ans, plus de 200 ans, qui a accumulé.
ou dans une situation côté que chaque radio dans le pays a converti en radio Mille Collines. C'est des radios qui ont incité à la haine. Et malheureusement, jusqu'à présent, collègues, nous pouvons mettre un cadre légal qui pour réprimer. Il n'est pas possible pour. Lorsque la radio Mille Collines, il y a un génocide. Ou pas qu'il y a une radio, côté que Abdou, mais même pas, c'est que je ne sais pas combien de fois je entends dans la radio, on a parlé de. Il faut que le Parlement soit taboulé. Parfois, on entend des propres collègues députés qui ont dit monsieur, papa, il y a en bas, il faut mouler le Parlement. Donc, son incitation à la haine que lié, gratuite. Combien de fois dans la radio, on entend des gens dire ah, mon cher, c'est monsieur Milad Sayo, c'est monsieur Siro Libanais Sayo qui empêche le pays à marcher. Ou pas, j'aime dans nos monde qui dit monsieur Siro Libanais Sayo, je ne le défends pas. Mais, il a dû constituer un exemple parce que son classe d'hommes travailleurs dans le pays. Et également, ici, descendant, ils ont venu comme des mounions, où à 7h du matin, ma quête est déjà ouvert, il y a travail. Et ça, nous pas copié. Pendant qu'il y a travail, nous-mêmes, nous sommes dans la balle, nous sommes dansés. Donc, moi, pensais que nous pas capables, chaque 30 ans, attaquer l'élite pays. Ça qu'a fait aujourd'hui, là, son bagage cyclique que lié. Tout ce qu'on voit en Haïti actuellement, qu'a fait là, il cyclique. Mais ce bagage, moi, qu'on est. Lorsque vous avez une radio qui a fait une station à la haine, ou bien des parlementaires qui ont fait des stations à la haine, ou bien des inégalités réelles qui l'avrent, mais que nous pouvons vraiment travailler sur eux, ou bien un gouvernement qui a un grave déficit de communication, qui a fait des actions, qui a fait des bons bagages, mais qui n'est pas arrivé à vendre ça là-bas. C'est pas une question de gaz qui a pris la rue actuellement. Gaz là, c'est la goutte d'eau qui a fait renverser le vase, mais ce n'est pas question ça. Question qui est dans l'arrière là, sont questions de. Éclatement social qui menace nous, et ça, considérer comme une première frappe, et comme dans tout tremblement de terre, il y a ce qu'on appelle les répliques. Et parfois, les répliques sont encore plus fortes que le premier séisme. Et moi-même, je pense qu'il faut que nous soyons très prudents par rapport à ça. Et il y a l'autre indicateur, il y a l'autre élément là qui vraiment vient rendre la situation encore plus dangereuse pour le gouvernement. C'est manifestation que l'opposition s'est lancée là, qui n'a pas marché, qui sont échecs. Lorsque on manifestation comme ça, après quelques jours dont émeute, pas marché, le gouvernement doit comprendre que c'est parce que bagaille est correct. Non. Mais même ça me comprend de ça, c'est parce que justement, ce mouvement qui n'a pas tête, ce mouvement qui n'a pas planifié, ce mouvement qui est en partie spontané, en partie complot. Donc son ensemble de son cocktail qui fait là. Ce n'est pas par hasard que tout délit m'a crasé. Ça, son bagage, ou être téléguidé. Mais en même temps, il y a des révoltes spontanées. Moi, je pense que le seul sentiment vraiment national, c'est un sentiment de désespoir. Quelle que soit couche sociale qu'on parlait avec lui, que ce soit mon, en haut bien mon en bas, je connais les lois, il y a tout parlé de désespoir. Mon cher, il faut me quitter le pays. Ça. Pays n'est pas bon. Même ma petite compatriote, mais pas gagné aucun pays qui t'a fait tout bon. Tout pays s'est construit, qui trie les Israël, qui trie les États-Unis d'Amérique, c'est des hommes et des femmes qui décidaient un projet de société et qui disent, on construit pays nous, mais à qui ça nous voulons payer assemblé. Ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est que nous sommes pays qui a erré, nous pas gain direction, nous sommes perdus. Donc il faut maintenant que nous chita entre nous, Haïtiens, que nous décidions de nouveaux contrats sociaux, que nous décidions de projets haïtiens de développement. Là, c'est l'autorité qui trouve le temps. Il faut que l'autorité, soit député, sénateur, baille le temps et prend une bonne décision et laisse à tout. La bonne bossée à la population, vous connaissez, il y a des gens qui travaillent pour lui, il y a des gens qui pensent pour lui, il y a des gens qui essaient de garder comment capable d'aider à améliorer les conditions de la ville. C'est ça tout, là, les députés papillon. Oui, mais il faut que les gens tout, parce que malheureusement, nous-mêmes, c'est que, ouais, ce sont des gens qui cycliquent dans le pays. M'a observé la situation politique du pays d'Haïti depuis au moins une trentaine d'années. Et chaque décennie, il y a une institution qui est dans la ligne de mire des casseurs. Parce que c'est un pays qui, depuis 30 ans, pour moi-même, a dirigé par un groupe, en tout cas une pensée dominante, qui c'est l'anarcho-populisme. Il y a 30 ans, tout le monde a un problème qui empêchait le pays à marcher, littéralement la présidence. Donc, nous parlons du Valier, nous parlons de ceci, nous parlons de cela. Nous virer, nous virer, finalement, nous dit en mettant un exécutif bicéphale, ce qui est une première dans notre histoire. Et nous décider que nous avons un premier ministre. Quand il y a souffert enquête dans l'arrière, la majorité moun pas d'avoir question premier ministre. 10 ans après que nous finissons résoudre le problème président, qui n'est pas un problème pays encore,
Et puis, nous tombons que c'est l'armée qui est problème pays. Et c'est génial, les mêmes critiques que j'entendais contre l'armée d'Haïti. On disait que l'armée est budgétivore, que M. ça ne va pas régler rien pour le pays. Eh bien, c'est les mêmes critiques qu'aujourd'hui j'entends contre le Parlement. Il y a budgétivore, il n'y a pas réglé rien, fond de crise, etc. Donc, je vais même dans les blagues. À un certain moment, on faisait des blagues sur le général Gracia. Et maintenant, puisque l'armée n'est plus dans notre ligne de mire, c'est le Parlement, les blagues maintenant sont sur le sénateur Gracia. Mais toujours on bagarre dans la rue qui indique vraiment qui est dans la ligne de mire. Premier problème, non, c'est un problème de projet de société. Pas oublier, depuis la naissance du pays, nous pas d'accord. Le pays a fait, ou gagné pratiquement trois grands leaders. Ou gagné Dessalines, qui a souhaité un empire pour Haïti. Pétion, qui voulait la République. Christophe, qui voulait un royaume, la monarchie. On a eu les trois régimes. Et nous tellement nuit, nous tellement pas bail tête ni direction, qu'un siècle après, on a eu ce que personne n'a voulu, c'est-à-dire l'occupation américaine. Et c'est dans ça que nous sommes là, je vous dis. Qu'on y a, nous avons fini choisi un régime parlementaire, et tout régime vini avec bon côté et mauvais côté. Vous trouvez que parlementaire, yo privilégié, yo ceci, yo cela, saute là-dedans, allons l'autre régime. Ou avec une nouvelle classe de privilégiés. Mais même pas quoi question, c'est qui ça parlementaire gagner, ça ne va pas de gagner. Donc la question, c'est d'abord, est-ce que qu'il travaille pour privilège que ce système là. Est-ce qu'il est utile pays à? Est-ce qu'il est utile pays à? C'est ça la question là. Et bon côté pour le député, est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, ça m'a été annoncé, c'était que les six avant-coureurs, par rapport à ça qui passait. Comme si nous un groupe qui a supporté le gouvernement, pas le gouvernement, vous avez dit, ah, sinon là, mais ça a arrivé, sinon là, mais qui problème nous arrive après, le député dit à cause. Bien évidemment, nous faisons plusieurs rencontres avec le gouvernement, avec le président de la République même. En particulier. Donc, nous-mêmes, nous t'es toujours dit, président va avoir un problème, mais il a gardé pour nous comment nous pouvons essayer, comment il peut lancer des projets, capables de permettre un apaisement social. Vous songez plusieurs fois, vous annoncez pour être capable de faire. Pour capable de faire justement, malgré ça tout, et puis il fait bac. Donc, finalement, il vient nous son nécessité pour faire justement. Mais moi-même, j'étais toujours contre justement. Depuis que Thomas Seclat, j'étais toujours contre justement à faire ce gaz-là pour le moment. Parce que je connais vraiment Haïti pas faire gaz. Mais quand même, si jamais il a eu justement, c'est-à-dire que je vais mettre. On 20, 25 gouttes, mais malgré ça, il faut nous parler avec la population. Pas oublier que le président de la République, ce n'est pas seulement lui-même qui a dirigé le pays. Ou gagner le Parlement, ou gagner d'autres secteurs dans la vie nationale. Il faut que vous teniez compte de vous. Là, vous proposez un bagage, il faut analyser pour voir comment conseiller, il faut consulter, parce qu'il y a un pile conseiller président. J'ai l'impression que ça qui passe là, conseiller président a pour beaucoup là-dedans. Parce que faut que tu penses que. Est-ce que vous songez ce qui est passé, Jacques-Edouard Alexis, 2008, je crois? Oui, mais de la fin. Ça veut dire, peuple a sorti. Là, autant de vous dire, pas blond bagaille. Parce que personne qui a empêché. Et il a fait sortir. Il a fait sortir. Et Jean a sorti, ce n'est pas plaisanterie de la pied. Il a sorti, il a crasé, brisé. Parce que l'école, si, il vient entrer dans la culture. Haïtienne, non. Avait dit depuis que vous avez écrasé, brisé, brûlé, et qui ne peut mener nulle part. Donc, je pense que ça qui passe là, je pense que c'est un signal que vous voyez à clair, par le prochain gouvernement qui peut venir pour le connaître, que faut là, assumer responsabilité. Et si ce n'est pas grâce au Parlement haïtien, je dis à qui camper, qui prend responsabilité, malgré l'intoxication qui a gagné, dit que le parlementaire prend comme c'est la bagaille, ça, ça ne va pas faire nous breeding même parce que nous connaissons, nous faisons travail pour la population. Parce que c'est dans la matrice population nous sortons. Donc, je pense que moi-même avec mon collègue Papillon, je pense que nous avons une responsabilité face à la nation, face à le pays, face à la circonscription que nous représentons. Que nous assumons la responsabilité, nous, que demain, si je veux, que nous faisons ça pour nous faire, que le pays a pris des nouvelles directives.
par rapport à leadership qui était supposé dégager pour empêcher ça qui s'est passé vendredi avec samedi, qu'il pas reproduit davantage, parce que faut que nous prenions responsabilité nous comme des hommes d'État et des femmes d'État, parce que le Parlement nous-mêmes nous très préoccupés par rapport à ça qui s'est passé. Enfin, on va pas parler de samedi, mais si nous avons fixé les responsabilités depuis Wolf Papillon par rapport à ça qui s'est passé le week-end, qui vient d'appeler? Premier responsable, ça qui vient à là, c'est le Fonds monétaire international. C'est le premier responsable. Ce sont des blancs qui viennent avec des médicaments. Ils n'ont pas besoin de connaître si c'est le pape ou le pape. Ils disent, bois ça. Mais c'est vous qui avez dit, vous avez choisi Pabuel. Vous avez choisi Pabuel. Vous avez choisi Pabuel. Et c'est là quand même que je trouvais que l'analyse politique de Jean-Michel, il a mis la responsabilité sous le président Jovenel, qui lui-même hésitait en pile avant de signer avec le Fonds monétaire international. Mais. Il est peut-être estimé qu'il n'a pas eu le choix ou bien il a peut-être été mal conseillé. Mais je dis, même Fonds monétaire international, ça, qui fait exigence ça, et ce n'est pas Haïti seulement le fait, ça a été fait dans l'autre pays, et il a eu le même résultat. Ça a été venu Nicaragua, ça. Il a écrasé Nicaragua avec ça. Mais je pense que soit il est délibéré, ce qui ne m'étonnerait pas, il connaît que depuis que le président de médecine Salbouel, il a pété fiel. Et puis au Balbouel. Mais le président Jovenel Paka n'a pas dit que tu es un député qui te dit attention avec FMI. Il n'a pas dit que ne pas de signal d'alarme. Pas plus tard que jeudi 28 dernier, je suis avec le président dans une réunion. Je vais sauter là tout collègue. Et je me dis, président, on ensemble de bagailles. Que moi, je prends courage que moi, je dis. Parce que dans le pays, ça, je ne vais pas la chef. Moi, Chita, je dis, président, et il y a un président, je dis, président, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience de la fragilité du pouvoir exécutif dans notre pays. Je dis, président, gardez l'histoire d'Haïti. Ou après qu'il y ait très peu de chefs d'État qui finissent le mandat. Ce n'est pas par hasard. Il y a une raison pour ça. Il faut une certaine compréhension de l'être haïtien. Il faut une certaine compréhension de la complexité de la réalité nationale pour diriger le pays. Pas capable de foncer. Mais je dis, 10 jours après, de comprendre ça, moi, les fragilités du pouvoir exécutif. Là. Il aurait dû le comprendre avant. Et moi-même, je pense que, indépendamment de questions FMI, je pense qu'il y a des responsables, il y a des gens autour du président qui doivent dire. Moi, je pense qu'il y a deux façons d'être chef. Ou bien son chef, qui voulait entourer tête de compétences, de monde qui est capable de faire là, faire là, et ou pas doué, et qui est complexe par rapport à ça. Et, même pour un duvalieriste, mais j'ai connu la période de Duvalier. Et je suis capable de dire que, il y a un crédit que nous sommes capables de faire avec le Duvalier, c'était cette capacité qu'il avait de s'entourer de gens compétents. Dans l'âge moyen là, si nous mettons ensemble là, nous sommes capables de rappeler nous du nom de la majorité des ministres de Duvalier. Nous sommes capables de faire cabinet à la Prodénia là. Parce que c'était à l'époque des super ministres et des mouns responsables qui apprennent des décisions. L'on dit Achille, ou dit Lafontaine, ou dit tant d'autres, ou senti que c'est des mouns qui se solident autour du président de la République. La deuxième façon d'être chef, c'est d'être tout puissant et de n'avoir que des valets autour de soi. Des mouns qui vont passer l'autre, qui vont dire oui, chef. Et c'est difficile. Et Haïti, on ne peut pas diriger avec des valets. Ou obligé de gagner des gens qui disent attention, attention. Et il faut capable de tendre des gens qui disent attention. Ce qui est arrivé après que je finisse par le président, je pense que j'ai eu un entretien d'une vingtaine de minutes avec le président. Mon sénateur crie les mois après, et puis il dit ah, député, il dit où manquez président des gars ah bon? La Kaili. Il me dit mon cher, d'abord, ce n'est pas mon genre de manquer des gars à un chef d'État, et encore moins chez lui. Mais en fait, c'est quoi le problème? C'est tout simplement que dans le pays, ça, les gens ne doivent pas parler à chef. Donc, là où on bagaille, on n'a pas qu'à dire que on tout là, on n'a pas qu'à dire rien. Donc, on est obligé de gober tout le bagaille, accepter même tout. Même si on prend l'amiant, quitter là. Même si on prend l'amiant, c'est quitter là l'amiant pour qu'à continuer de bénéficier des privilèges. Parce que même moi, estimé, en tant que député, en tant que homme qui sorti courant, moi, estimé que ma circonscription est l'une des grandes bénéficiaires du régime de Jovenel Moïse. Je ne crois pas qu'il y ait une circonscription que vous sentiez quand le gouvernement travaille tant que courant. Mais j'ai le devoir de parler sincèrement au président de la République, j'ai le devoir de lui dire les choses comme elles sont. Mais maintenant, ça, puisque on avait essayé de garder les responsabilités, et c'est ça qui fait tout. On sait ce qui était commencé, nous décidons de remettre le sous tapis pour demain.
gouvernement, selon nous, c'est lui-même qui a mérité comme fusible. Et la police, tout, par rapport avec les passivités, a pu nous relever, je vois. Par contre, est-ce qu'on a essayé de garder les responsabilités là, L'une des choses que j'ai dites au président de la République, et mon collègue en est témoin, j'ai dit, monsieur le président, vous ne pouvez plus continuer à jouer le rôle de bouclier à votre gouvernement. C'est le contraire qui doit se produire. Nous sommes dans une phase où le premier ministre doit sauter. Dans quel pays, messieurs, dans quel pays, que au pral gagner des émeutes, qui baille moun mouri, qui baille magasin pillé, qui baille tout qui est sauté ça, qui bloquent le pays pendant au moins 3 jours, et puis personne ne démissionne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que personne n'est responsable. La police n'est pas responsable, le premier ministre n'est pas responsable. Et je pense que, ne serait-ce que par décence, conseil du monde, qui t'a adoué, baille démission. Ne serait-ce que le ministre de la Communication, qui voit un tweet, qui dit que t'as pas démissionné, le président dit pas démissionné. Alors que le président lui-même, dans son allocution, a reconnu qu'il y a une faiblesse au niveau de la communication. Je suis désolé. Si le pouvoir exécutif n'a pas la décence d'apporter certaines corrections, s'il y a des compétences qui manquent autour du président de la République, qu'elle mette ses compétences. Et s'il y a des nullités politiques autour du président, qu'il s'en aille, nous-mêmes, au niveau du Parlement, nous avons pour devoir de rectifier ce problème-là en limogeant le Premier ministre. Et vous pensez que nous-mêmes, au niveau du Parlement haïtien, nous avons pour le devoir d'abord de prendre notre responsabilité d'abord, et parce que et face à la situation au pays, nous t'a demandé que responsabilité a faut que nous fixer. Parce que pas oublier que le premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui est en même temps le président du CSPN, et directeur général là, il est là pour être capable de coordonner avec le premier ministre. Là, lui-même, premier ministre lui-même comme chef du gouvernement, je pense que faut qu'il y ait une séance qui était fait CSPN, là. Effectivement, elle était faite dans jeudi, je crois. Mais je me demande qui est dans deux chefs, premier ministre et directeur général, là, c'est qui est dans eux, nous avons considéré que, et comme si l'un n'a pas accusé, le dit oui, moi-même, je prends une commande. Directeur général, là, il est briqué, il dit qu'il a pris une commande par rapport à premier ministre, là, parce que il a un arrêt de sortie, côté qu'il dit. Clairement, il te dit, quelle que soit la décision pour le prendre, il faut CSPN approuver tout ça. Le premier ministre lui-même, comme président de CSPN, c'est comme si pour lui-même, beaucoup de temps, positionne sous cas ça par rapport à est-ce que notre CSPN a été touché au point comme ça pour planifier des décisions que le gouvernement a parlé pour monter le gaz là. Ça veut dire la police était inactive. Moi-même, pas voulais accuser et agent, mais. Au commandement de la police, il faut les fixer, il faut qu'ils prennent responsabilité. Et le Parlement d'abord, le Sénat de la République, moi, c'est que faut qu'ils travaillent sur ça. Nous-mêmes, au niveau de la Chambre des députés, nous travaillons pour que nous prenions responsabilité, nous, pour nous fixer responsabilité. Et tout le monde qui a une responsabilité, qui ne prend pas, il faut qu'ils sanctionnent. Bon, si on s'est en continuation, parce que tu as 4 ministres, nous demander faut gagner et on quête mener sous yo puisque coup de compte fait connait que moun sa yo c'est des moun qui t'a géré l'argent d'état donc il besoin de charge. C'est peut-être ça président Chamnan et Garibodo t'a décidé mettre ça en continuation. Maintenant Britsoukou après ça qui me passer nous dit c'est ça à peu près. Est-ce que ça t'a dit que enquête la gêta mené nous que tout document qui montre que ministre sa yo soit besoin de charge ou pas besoin de charge depuis papillon. Bon, hier, en réunion, c'est une question, parce que moi, au départ, j'avais réagi par rapport à un moment que le président Baudot te prend décision, mettez séance pour samedi, parce que m'estimais qu'il y a un cadavre qu'on fait. Donc, le moment de ça, en réunion que nous avons gagné hier soir, il dit non que nous avons gagné un document que la Cour supérieure des comptes voyait Bali, qui confirmait effectivement que ces nouveaux ministres ont besoin de décharges pour exercer leurs nouvelles fonctions. De ce qui est contraire avec la Constitution. Et donc, puisque nous avons une réponse à la question, ça, donc ce n'est plus nécessaire de conduire une enquête, puisque l'enquête devait aboutir à une conclusion, et cette conclusion, on l'a déjà. Donc, ce qui fait que c'est un samedi à l'événement grand sens. Pour que ça, c'est changement gouvernement net, nous voulons, pour que ça, c'est un remaniement.
Remaniement, je pense que ce n'est pas un problème de remaniement. Nous coulons pour le moment, nous estimons que c'est comme si nous avons un problème. C'est comme si nous avons un bateau, le bateau n'a pas coulé, et puis nous, c'est le capitaine qui a un problème là-dedans. Ça veut dire, si vous changez le capitaine, vous changez. Ce n'est pas le passager qui a couru, qui a passé par là, qui a tombé dans le trou, qui a tombé dans l'eau. Donc, je pense que nous avons un problème avec le remaniement, nous avons demandé, mais la conjoncture politique a demandé que faut que le Premier ministre les sanctionne par rapport à une déficience de leadership. Pas bien que pouvoir et leadership, c'est des bagages qui sont différents. Ou bien avoir un pouvoir ou un leadership. Et si vous avez un pouvoir ou un leadership, c'est comme si vous êtes capable de considérer que vous n'avez pas un résultat que vous pouvez voter. Il faut que vous ayez un leadership, ou un pouvoir, et pour assumer responsabilité, ou qu'on ait responsabilité ou bien face à la nation, qui au travail pour lui, que vous prenez responsabilité ou avancer. Donc, vous êtes capable de dire, et problème, et Premier ministre, là, tout le monde fait constat, ou après, plusieurs secteurs, et pas seulement le Parlement, ou joindre ça, ça ou jouent le secteur politique, là, mandé, ou en frange, il y a un monde qui a demandé le rachetement, c'est chaos. Il y a un autre secteur qui m'a dit encore, c'est permettre que nous-mêmes ayons un remaniement. Mais nous-mêmes, au niveau parlement, avant d'être un remaniement qui fait, on ne peut pas passer tout le temps à faire remaniement. Et puis, résultat, nous-mêmes, c'est le résultat que nous cherchons. Donc, nous estimons que le Premier ministre, là, il n'a pas raison d'être. Lui-même, il connaît, il n'est plus Premier ministre. Il connaît ça très bien. Dans le moment où il a travaillé, il a parlé là, il connaît ça. Non, il connaît le nom de lui-même, même si là, il connaît ça. Parce que si vous avez au niveau du Parlement haïtien, un bloc majoritaire qui déclare de désolidariser la voie, c'est automatique ou si vous êtes démissionné. C'est automatique parce que c'est nous qui supportons dans le niveau du Parlement depuis nous désolidarisons. C'est automatique. Mais vous voyez tout et allez vous et PM aller comme ça, ça capable de mener plus dans l'instabilité, non? Bah ouais moi-même bah ouais instabilité ya. Sauf que si l'aller je pense que quelque part l'a arrangé quelque chose surtout sur le plan politique. Vous partagez votre vue sur tout depuis? Bon au départ c'était crainte moi même t'ai dit bon en limogeant le Premier ministre est-ce que ne va pas glisser vers l'instabilité politique et après consultation que moi gagné après échange avec l'autre collègue finalement nous pas gagné de choix. Nous n'avons pas le choix, mais parce que vrai ça qui a instabilité, c'est Kembe Premier ministre. Parce qu'il faut être à l'écoute de l'autre acteur politique. Tout. Il faut être à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale. Et lorsque on bagarre avec les mutes, ça va finir arriver, généralement, on s'attend à un changement. Et lorsque ce changement n'arrive pas, plus le changement se fait attendre, plus les conséquences sont capables graves. Donc, cet homme d'Akabdo sont soupape de sécurité. Il faut qu'on lâche pression pour que. Et, société a pour que le pays a capable de rejoindre un train de vie normal. Dans la réunion faite hier soir là, avec le groupe majoritaire, nous étions plus qu'en soixantaine selon l'information du journal de la presse, sur qui ça mettait d'accord et qui ça nous dit comment nous allons faire pour émettre ça tout président, par de ça nous discuter là et dans le côté hier soir. Bon, nous étions plus qu'en soixantaine, alors 60 sont chiffres qui sont assez symboliques parce que c'est chiffres qu'on a besoin pour prendre des décisions en bas. Alors, à partir du moment qu'on a 60 députés qui sont d'accord sur une question, c'est-à-dire qu'ils passaient déjà. Sauf défection. Et même le tag défection, pas oublier qu'il y a 16 députés interpellateurs qui ont même qui clair sous position qui dans quel sens qui vont voter. Donc dans 60 députés soi-disant gagnés là, il faut que tu aies au moins plus que 16, ce qui m'étonnerait. Et son dialogue, je pense qu'il était fait très, très ouvert, très franc. Côté chaque député débat a été partagé et crétio, a partagé opinion sur question renvoi Premier ministre. Et nous finissons par tomber d'accord. Sur un point, et là, je suis tombé d'accord, ça ne veut pas dire que les 72 députés pensent qu'il faut envoyer un ministre. C'est-à-dire que lorsqu'on bloque, c'est bien compact que lui. Lorsqu'on gagne 72 députés, on gagne une quarantaine qui fait valoir que c'est dans ce sens-là pour nous aller, même n'ont pas d'accord, ou obligé plier à majorité. C'est ça qui fait que nous bloquons et c'est ça qui bat le sens. Là. Décision finale là, et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opinions contraires, il y a eu des craintes, il y a eu des questions, mais dans l'ensemble, tout député est d'accord que c'est ça qui va le bailler le gouvernement, il souffle, c'est ça qui va le bailler le pays, il y a une possibilité pour le continuer, c'est le renvoi du Premier ministre. Nous avons pensé qu'il était de bon ton, puisque nous appuyons le gouvernement,
avant que nous parlions de ça dans la presse, pour que nous ayons primeur là, président de la République là. Donc ça, c'est une décision qu'il te prend, que nous avons fait une délégation. J'ai moi-même été mandaté pour transmettre le message au président de la République pour annoncer que la majorité APH a décidé de se désolidariser du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Et je dis à, avant même que ne parle à président, parce que avant même que ne rencontre le président, parce que je me suis pris au téléphone, il dit que la fini en réunion avec le sénateur, de quoi la brivée là, la brille, pour mes jeunes. Avant même que je parle à président, je recevais un tweet de Gary Pierre Pochal qui a annoncé mes sacs fêtes. Et donc, il était dans la rue, décision qui est dans la rue. Ouais. Donc, moi, il est au conseil, il me dit tiens, c'est bizarre, regardons pas qui arrive. On est dans l'action, on ne sait même pas qu'on fait. Il dit mon cher, je vais recevoir le tout. Donc, ça veut dire la rue, il y a une décision que tu prends. Donc, ce n'est plus un secret pour personne. Et je m'étonne seulement qu'aujourd'hui, à 5h du matin, le Premier ministre voyait un tweet qui parle dans le sens de la décision que nous prenons hier là, côté que l'annoncé, que le aller au rendez-vous de l'histoire, que le aller quand même dans le Parlement pour samedi, ce qui est à mon sens tout à fait ridicule. Vous parlez à président, vous faites pas de ça, nous discuter, qui vient président réagir. Moi, je parle à président téléphone. Et après que je finisse ce tweet là, ben, nous avons estimé que, vu le collier, etc., et nous n'avons pas besoin de continuer sous lit, mais. Ce qui est sûr, c'est que le président est avisé et pas voulu réagir très vraiment sous ça, mais le président est avisé et je pense que moi, je m'attends à une démission du Premier ministre dans les heures qui viennent. Donc, je pense que le président nous-mêmes, comme collaborateurs, c'est collaborateurs nous liés, parce que nous travaillons ensemble, parce que nous sommes des hommes d'État, et je pense que le président est conscient des situations hein, également. Nous-mêmes, et nous pensons que et si le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine n'est pas démissionné durant la journée, hein, nous pensons qu'il a fait bien à payer pour démissionner et pour la famille et pour tout collaborateur de gagner et tout. Sinon, nous-mêmes, au niveau du bloc majoritaire, une fois que nous désolidarisons avec le Premier ministre, là, nous avons une grande pensons que pendant la journée, il a écrit la démission, il a envoyé la Chambre des députés. Le Sénat de la République et le président de la République là, pour lui dire merci parce qu'il a desservi le pays, il est vague. Sinon, pour moi-même, je pense qu'elle démissionner, qu'elle pas démissionner, je pense que démissionner, le pays a connu la décision que le Parlement prend. Donc, je pense qu'il a mieux que lui-même il démissionner, il n'a pas besoin de descendre en bas. Donc, le pays a, nation a tant de réaction parlement, qui sa parlement après le faire des messages. Est-ce que nous parlons avec le chef de l'État et le député Papillon, parce que j'ai mandaté pour débattre le message là, est-ce qu'il a envie que le Premier ministre, il parle de la gueule, il a aimé que qu'on va qui fait, monsieur, est-ce qu'on change de quelques ministres pour que Jacques-Guy Lafontaine toujours amène le bas gouvernement? Comment? Permettre que je vais commenter et partir ça, mais Mabdou, pour manger avec collègue moyen, que descendre le Premier ministre dans le Parlement, c'est une simple question de formalité. Ah bon? Sans formalité, qui n'est même pas nécessaire. Parce qu'il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de discussion. Non, il aura pas de... Oui, moi je pense que M. Lafontaine a fait son temps. Le matin, il a fait son temps. Le matin, on regarde en tweet, une joie de nous, peuple haïtien, jusqu'au rendez-vous de l'histoire au Parlement ce samedi 14 juillet à 10h du matin pour répondre à l'interpellation des députés de l'opposition et parler des réalisations de l'administration Moïse Lafontaine. L'initiative, effectivement, vient des députés de l'opposition. Mais entre-temps, il faudrait que la situation ait évolué. L'initiative ça a été prise avant et il faudrait qu'il y ait des consultations qui faites et que la majorité a estimé que pour le bien de la République, elle n'est pas capable de continuer à les supporter. Et pour qui ça, nous, selon nous, commissaire, livré à l'affronter Parlement demain matin? Dans cette optique, il n'est plus de question des députés de l'opposition. C'est la question du pays. OK, le Parlement d'abord a assumé responsabilité. Donc, M. Guy Lafontaine lui-même, il a pensé que la Palamba pour la présenter sans thème de bilan. Pour moi-même, je pense que l'abgé conseiller qui a dit qu'il n'a pas besoin de descendre en bas. C'est sûr. Non, mais j'ai expérience Jacques-Edouard Alexis. Et malgré son là, c'est clair, mais le ministre Jacques-Edouard Alexis, il descend quand même. Il n'a pas là, pas loin. Il n'a pas là, sénateur. Est-ce que ce n'est pas là qu'il arrive demain? Écoute, là, on pose une question pour me deviner. Moi, je dis. Non, mais il peut me s'annoncer, vous allez.
Non, mais il n'est pas venu. Le ridicule ne tue pas. Il a toujours venu. Il a pris ce voile. Mais je pense que ce sont ces formalités. Oui, l'un ne t'a pas accepté Fridjian comme Premier ministre. Bloc là, Finchita, Jean Chita, nous prenons une décision, nous disons, OK, mais qui est-ce qui est mal habillé? Et puis nous arrivons en bas, il y a une consigne qui est faite. La consigne, c'est que pas un député qui prend la parole, pas un député APH qui a parlé. Et puis, monsieur, au fin de parler, l'opposition finit de parler, au fin de défendre, mais sans pas même rendre compte que c'est eux-mêmes seulement qui a parlé. Donc, même si on suit la séance en télévision, on pensait que tout député parlait en faveur de Fridjian. À un certain moment, quelqu'un a dit, écoutez, l'Assemblée est édifiée, passons au vote. Et puis, vote l'a tombé, et puis ça a fait la défaite. Donc, à l'en bas, s'il estimait qu'il y a une capacité, à partir de tout ça que nous faisons là, à partir de toute analyse que nous faisons, de toute réunion qui fait, et s'il estimait qu'il y a une capacité pour arriver à convaincre nous du contraire, ben, qu'il vienne. Mais est-ce que nous ne pouvons pas parler avec les commissaires pour nous faire le point de savoir quoi comme décision après rencontre hier soir là Moi non. Mais depuis après l'événement week-end dernier, on ne peut pas parler avec lui. Pas aucun monde dans le groupe majoritaire qui parle à PM. Alors, mais il faut me dire que je n'ai pas un numéro au Premier ministre. Je ne suis pas habitué à parler au Premier ministre. Ah bon? Non. Bon, je pense que le président bloc APH là, Hippolyte, pense qu'il est informé de ça, qu'il y a des décisions qu'il prend dans le niveau. Bloc APH là. Donc, okay. Moi, c'est ça parce que je parle souvent. Et moi, c'est le président Hippolyte parler avec le président de la République là, tout ça, bien que je pense qu'il était mandaté également pour rencontrer le président de la République là. Et durant la journée, on va fait quand même m'assurer que le président Hippolyte la prend responsabilité pour passer l'information, pour passer lui-même qui nous bat le mandat pour ça, bien qu'il y ait une élection pour qu'on fait. Pour que nous légalement pour que les soit nous reconduits ou pas, mais puisqu'il y a beaucoup d'élections qui sont faites, il est toujours assuré tête bloc là. Peut-être pour le ministre Kadi tout, parce que nous sommes ensemble avec lui, nous avons défendu l'action gouvernement, il paraît bizarre pour nous prendre voter contre lui demain. Et ça fait qu'il a dit bon, aller. Mais non, mais je pense que nous sommes des hommes d'État, nous avons des lourdes responsabilités face à la nation. Ce n'est pas parce que moi-même j'ai voté et puis moi que pas de résultat. Le peuple n'a pas satisfait du travail, on est obligé de toujours supporter. Mais pas aucun côté ça écrit. Moi-même, comme député responsable, je suis idem pour mon collègue Wolf Papillon. Je pense que la position de nos parlements, la seule chose à faire, c'est accompagner d'un gouvernement qui a des résultats, accompagner le peuple haïtien. C'est ça qui intéresse nous. Mais deux semaines de cela, le DAP fait science, j'ai l'impression que si votre la défaite, nous avons renouvelé confiance dans Jacques Lafontaine. Ça qui est passé deux semaines après, puis nous voulons vouloir aller. Oui. Mais pendant deux semaines, tout peuple, l'arrière pour te craser, non? L'arrière pour te craser. Non, mais. Tenez, gaz pour te commenter. Non, mais c'est fragilité pays. Je pense qu'il peut justifier ça. Ouais, la confiance, son bagage pour ne pas jouer avec lui. En confiance, pour moi-même, c'est un peu un miroir. Depuis qu'il tombe à terre, il éclate en mille morceaux. On met 1000 morceaux, on essaie de recoller, il n'y a pas de coller. Et ça qui passe là, c'est l'éclatement de la confiance. Et là, on n'a pas le choix, on est obligé, step down. Mais là, après, M. Dina, tout là, on va le présenter. Ça le fait. Bilan, le gouvernement lien. Et ça nous dit que M. Dina, il y a matière pour le convaincre à l'Assemblée et convaincre le pays à tout. Pas de problème, on ne peut pas le problème, on ne peut pas le en bas. On ne peut pas le arriver, il met tout ça, on peut le finir, et puis parce que le bloc là, il est consigné déjà. Et là, on a voté dans le même sens. Il n'y a pas de moyen pour que nous ayons un consigné encore. On t'a allé dans ce sens, et après le ministre des Premiers ministres, il exposait nous ce qui passait. Peut-être qu'on peut me poser la question sur la responsabilité du gouvernement, sur ce qui est le cas, et puis le s'y convainc nous. Pour député Thomas Sikla, la Fontaine, son page tournée qui est liée. Député Babillon. Partagez pour nous. Mais c'est bon, je veux dire, Timon, si nous plus de 60 d'hommes d'État réunis après consultation avec différents mondes qui ont conseillé, et ils disent, mais qui ça nous estime qui est bien pour la République? Nous prenons une décision, nous avisons le président de la République et nous ne savons pas comment nous allons faire marche arrière, son décision aussi arrêtée. Donc pour moi, comme dit mon collègue, c'est fini, la page est tournée. Et si quelqu'un a supporté le Premier ministre, dit, ah, monsieur, si la majorité a fait ça, c'est comme les députés qui ont fait interpellation aux députés de l'opposition crédit. Ça n'a pas de problème. Mais je ne sais pas si c'est une question d'orgueil. Dans la politique en Haïti, moi, égo nous, petit Jean trop en avant, ouais. Que ce soit des députés d'interpellation qui prennent l'initiative là. Ils ont même d'ailleurs été prêts pour l'autre raison.
D'ailleurs, la Cour supérieure des comptes, ben, a raison. Il était parlé de... Quatre ministres. Mais c'est quand même terrible que quatre mondes, qui ne sont pas des inconnus, qui ont été ministres, qui ont été comptables de deniers publics, que quatre mondes entrent dans le gouvernement pour garder pas grand monde dans l'entourage président qui dit attention, il a violé l'article 139 de la Constitution, pas grand monde qui était well. Je trouve ça quand même grave. Maintenant, ils ont donné raison aux députés interpellateurs. Nous-mêmes, ce n'est pas pour les mêmes raisons, parce que nous n'avons pas donné ça. C'est eux-mêmes dans l'enquête par eux qui jouent, mais même pour des raisons de stabilité politique, pour des raisons de... Tu sais, la sécurité, la paix publique, pour moi, c'est le premier bien. La stabilité, c'est le premier bien public. C'est ça pour nous chercher d'abord dans tout le pays. Et si le Premier ministre représente désormais une menace pour la stabilité du pays, on n'a pas le choix. Pas trop fort, pas trop fort, dire une menace pour la stabilité pour ce qu'il a représenté, non? Et c'est Kembel pour dans quelques temps, ça va passer dans le pays. Sagino, je pense que le départ du Premier ministre est inévitable. Je ne sais pas quoi, il y a des gens qui ont fait le débat sur ça. Automatiquement, le fait, laisse nous pas laisser chita nous-mêmes, dans le niveau bloc là, pour nous capables d'essayer. Réviser politique pays, comment au niveau de la Chambre des députés pour nous voir comment nous pouvons avancer avec le pays. Parce que là, nous avons un mois de rentrée d'école, il y a une question de budget que tu as dû déposer et puis vous analyser. Déjà déposé. Oui, déposé, mais semblé, selon une conseil président, tu as dû faire retrait, vu que données ont changé, je veux dire, après ça. Je pense que qu'il a récupéré, il a rapatrié le budget pour faire par rapport pour réviser la baisse par rapport à la prévision qui a été faite sur l'affaire Montégal. C'est ça. Maintenant qu'on a une connaissance, ça veut dire qu'on a fait choix pour le ministre, plus de tractation. Est-ce que là, on ne peut pas craindre pour que ça mette plus de problèmes? Non. Travail, administration, président Jovenel Moïse. Nous allons mettre nous au travail le plus vite que possible pour nous voir si tu as un prochain nouveau gouvernement et puis pour nous continuer le travail. C'est ça que nous allons faire nous-mêmes parce que nous sommes très motivés dans ce sens-là. Et tout ça, là, nous prévoyons, mais nous allons mettre nous au travail pour que dans quelques semaines, pour que nous voyons ce pays. Mais il ne faut pas oublier, Bloc n'a pas désolidarisé avec le président Jovenel. Bloc a été tout à fait confiant et dans la politique du président Jovenel. Il pensait que le président Jovenel travaille bien. Et nous avons continué à appuyer. Donc ça veut dire que s'il proposait un Premier ministre qui remplit toutes conditions constitutionnelles pour le monter, on a le vote là tout de suite et nous comprenons que son travail a fait très rapidement. Demain samedi, 10h du matin, tout le monde va le braquer sur la Chambre des députés. Et le Premier ministre a annoncé que la descente. Mais quand tu parles de matin, nous avons gardé tout comprendre que nous n'avons pas aimé le Premier ministre. Nous avons souhaité que c'est démission. Pour que ça ne parle pas de descente. Non, ne pas là. Voilà. Nous-mêmes, s'il t'a démissionné, la bon pour lui. Mais nous-mêmes, au niveau du bloc majoritaire, nous n'avons pas de problème. Il descend, ok, on a pas il pas descendre, il démissionne, la bon pour lui. Ok. Jean-Ouel Ariab dit, oh oui, c'est bien député qui parle pour descendre. Non, nous ne pas là. S'il voulait, nous-mêmes, nous voulons protéger l'image, les familles, les amis, le ressemble de là, il est capable de démissionner et la grande pays a un service tout. Demain, si je vais, s'il descend, nous-mêmes, nous faisons travail nous comme parlementaires. Là, des députés ne sont pas inquiets pour le descendre. Il a descendu, il vient de descendre. Mais il a attendu en bas. Okay. Je vais attendre un sénateur qui était même à loin, qui dit bon, est-ce que le député a bien le courage pour voter contre le Premier ministre? Ça fait ça. Comme je ne pas commenter sur la déclaration du collègue sénateur, je ne pas connaître raison qui fait le deal, je ne pas commenter sur lui. Je ne pas commenter tout, le député. Non plus. Non, c'est pas nécessaire. Alors, si je ne connais, je ne sais pas, là, je nous précise là, qu'on fait hier soir, la messe est dite. Mais par exemple, et si le Premier ministre a arrêté nous après-midi, on parle avec nous, expliquez-nous, mais ça privé, mais qui engagement peut-être plus capable de prendre, et maintenant qu'il dit, vous le comptez, rectifiez-le, mais ça n'a pas dit, mais ça n'a pas le café. Non, seul bagage Premier ministre n'a pas fait pour lui. Les bails ont conférence de presse. Pour le remercier le bloc majoritaire qui l'a supporté, malgré le conscient que tant de population pas comblé. Ça, c'était pour vous, vous avez fait, pas faire. Merci pour le dire, peuple haïtien. Merci à le bloc majoritaire qui l'a supporté. Il remet démission. Ben, c'est plus ou moins la même opinion. Il ne faut pas oublier, c'est pour un support inconditionnel. C'est-à-dire que le Premier ministre, si nous avons dit tout à l'heure, il représentait désormais une menace pour la stabilité du pays. Et dans ce cas, je pense que mon pire mes pays, le Premier ministre, m'obligeait de solidariser avec lui. Qui s'en baguette dans le matin là? Sur le mal fini. Bon, ça me d'accord dit peuple haïtien. Et
Encore une fois, je salue tout le monde Thomasic, mon grand-père l'amour dans Kem pour mon plateau central bien entendu. Le monde qui a travaillé route là qu'a fait. Oui, évidemment, et président de la République là, tu lancé caravane sur Thomasic là. Et nous-mêmes n'a travaillé pour Thomasic avancer, nous gain lycée qu'a lycée n'a construit, nous gain quatre écoles nationales et qu'a construit, nous capable dire gain ministre dans gouvernement qui a travaillé. Et monsieur mandé moi-même mandé faut qu'il gagne quelques ministres dans le prochain gouvernement qui était dans gouvernement ça pour répondre, m'a mandé président ça. Faut que tu changes gouvernement la matière là. Oui oui, dans le prochain gouvernement là gagne, faut qu'on pour prochain gouvernement, faut gagne des ministres par ministre de la République là la travaille. Ou gagne ministre éducation faut qu'on bien dans le système là parce qu'il a prend pile travail là-dedans parce qu'il grand pile l'effort qu'il fait dans le système là. Donc moi pense que gagne l'école Thomasy qui quatre écoles qui a préparé l'école nationale. Il y a un lycée qui a fait, il y a un caravane, il y a un caniveau, tout le monde a préparé pour nous bétonner la ville là. Et puis, nous pensons que nous n'avons pas avancé. Et le monde domestique, jusqu'à présent, il a toujours été attaché avec le président Jovenel. Nous pensons que le plateau central, il y a un gros mouvement contre le président Jovenel. Peut-être qu'il y a capable de problème avec le gouvernement, chef gouvernement, par rapport à manque de leadership, de saleté, de faire ou pas faire. Donc, nous pensons que nous-mêmes, au niveau du bloc majoritaire, nous étions toujours comme bons collaborateurs président de la République. Là, nous avons continué de travailler ensemble et nous avons continué de travailler parce que c'est le travail qui force nous et c'est le travail nous qu'on travaille. Je vous courage, mais je vous capte de tout, peut-être même le conseiller PM, la photographie, tout le monde a tout fait droit, tout chaillonnet sous le premier ministre. Et lui seulement nous décide de clouer au pilori. Gouvernement et premier ministre, c'est lui qui a dirigé le gouvernement d'abord. C'est lui-même qui a été gouvernement, c'est ce qu'on m'a dit, parce que comme si c'est coordonnateur gouvernement qui est lié, s'il a mal coordonné le gouvernement, pas de résultat. Donc nous-mêmes, nous pensons que comme responsable, comme homme d'État responsable, nous-mêmes, nous ne pouvons pas, dans la conjoncture, il faut que nous soyons capables de prendre responsabilité nous, pour nous capables de fixer la responsabilité à monde qui mérite sanction. Pourquoi vous croyez, M. Chakouken, vous croyez d'être dans l'émission Caravane? Le travail continue à faire et tu as été capable à ce moment-là? Non, nous ne sommes pas capables nous-mêmes. Corail, nous travaillons à peu près 15 heures par jour. Tout matériel à chenille, nous travaillons 15 heures par jour, deux opérateurs. Les femmes du Corail étaient malades en pile. Son côté, ou de quoi, elle a fait en 1932. Et de 1932 à nos jours, pas jamais une intervention majeure qui fait sous lui. Son côté, l'État central l'a été oublié. Donc, c'est le gouvernement Jovenel Moïse Lafontaine qui retournait avec Corail. Donc c'est pour ça que moi dis que parmi ces circonscriptions qui pas satisfaites, si nous avons gardé sous bilan Corail seulement, nous avons supposé reconduire, nous avons supposé appuyer, continuer à appuyer. Mais c'est le pays d'abord. Son question de pays, son question de bilan national et son question de stabilité politique. Moi-même, je veux pas, dans le jour qui vient, c'est que machin la haine, machin désespoir, pour baisser micro, pour suspendre. Parce qu'on n'a pas construit un pays, pas construit une société. Lorsqu'on voit les chiens sous chat, on a dit que c'est telle catégorie qui a empêché le pays à vivre, on connaît que c'est menti. On a dit que c'est tel député, sénateur qui a tant en mêlée, on connaît que c'est menti. Ou on a dit que le gouvernement n'a pas voulu ceci alors qu'on connaît que c'est menti. Moi, je t'en que la campagne est finie. Parce que si nous continuons à transformer nos radios, toute radio nous, en radio mille collines, nous avons fini par gagner un génocide dans le pays. C'est ça qui risque là. Pour moi, même, c'est ça. Il faut que nous essayions de reconstruire le tissu social là. Il faut que nous refondions la nation. Il faut que nous, finalement, baissions nos directions. Parce que, comme je dis, il n'est pas capable chaque décennie pour une institution que nous avons crasé. Parce que quand il y a là, il y a du crasé le Parlement. L'autre semaine, il y a du crasé l'armée. Et puis après ça, crasé. Qui côté limène nous après 214 ans? Je pense que c'est l'heure qu'on y a tort pour nous commencer à construire, pour nous payer en direction et surtout pour nous connaître que chaque monde dans le pays a une place. Quitte les mulattes, quitte les blancs, quitte les nègres, quitte les paysans, même les javem, eh bien, nous avons une place nous, dans la société. Parce que nous avons un bagage qui gagne tout, collègues, dans la question où nous avons critiqué parlementaire, ceci, parlementaire, cela. C'est un rejet de la classe paysanne. Il ne faut pas oublier. Le système ça, que nous avons là, régime politique qui permet que un petit paysan tant qu'on capable de sortir Corail pour le rentrer dans les plus hautes sphères de décision politique dans le pays, c'est le régime ça qui permet lui. Donc lorsque le peuple ça lui-même, quand il a dit que le Parlement crase le Parlement, on a crasé tête tout. Parce que le Parlement n'a pas existé encore, surtout parce que dans l'autre régime qui va gagner le Parlement,
Et je pense que ce n'est pas possible, et bien ça va arriver. Ça veut dire que les petits paysans, pas qu'ils viennent pour tout presse, puis ils disent, mais qui ça a décidé encore. Et lorsque les gens, par exemple, par méchanceté, ils disent, il y a des députés 500 000 gouttes pour poisson. Les gens qui disent là, qu'on est pertinemment, que ce n'est pas pour poisson qu'ils ont bâillé, que ce sont périodes de rara. Et tant que ces électeurs, ça n'a aucun gain, tant que le peuple haïtien, c'est comme ça que lié, côté que les gens demandent à un député, qu'il y ait des bagailles personnelles, moi-même, ça ne va jamais passer un jour sans pas gagner minimum 10 appels. Et des appels qui ont. Madame Moïse n'était pas à l'hôpital. Et Timoun n'a pas à payer l'école, etc. Donc, responsabilité ça. Et lorsque Koraï, quand on gagne plus de 100 banrara qui prend la rue, à qui ça, député, après, elle joue l'argent pour le bail. Donc, c'est ça qui fait que le Parlement, au niveau du budget que nous avons voté, nous disons que les députés ont une allocation qui peut permettre que la période rara, la vie n'est pas impossible, puis on peut rentrer dans le marron. Donc, je pense que pour faut changer la réalité, moi d'accord, mais il faut que l'électeur change tout. Il faut que l'électeur quitte les députés, quitte les sénateurs, fait travail avec la Constitution, voyez au faire pour ne pas brûler les gens, pour c'est eux-mêmes qui sont responsables des maladies, c'est eux-mêmes qui sont responsables de toute qualité de bagaille. Depuis mon nom, il faut qu'on bali. Par exemple, on prend un exemple qui est très simple. Moi-même, je pense que le cap de très bon temps, si je pouvais décider seul, que nous renoncer à la subvention gaz que nous avons dans le Parlement. Question fiche gaz, ça, il crée des frustrations, il crée des bagailles. Nous renoncer à lui-même. On est le premier monde qui peut crier ces mondes dans la rue, parce qu'il n'y a pas besoin de députés à passer, on s'est passé, ça va demander un petit fiche gaz. 25 000 gouttes, et pas plus. Je pense que si nous voulons le pays à changer, si nous voulons le gouverneur changer, il faut que d'abord, ou même comme électeur, ou changer. Ce ne serait pas mon pays. Je pense que les Pays-Bas, moi c'est que et c'est nous-mêmes moi c'est que si je veux dire pas représenter Thomasic pas gagner l'OP pas gagner lycée cap construire là-dedans il pas gagner l'école cap préparer là-dedans il pas gagner caravane qui lancer pour permettre que route Thomasic là qui c'est un défi pour tout le monde cap fréquenter route ça pour dépendant département parce que son route qui relie trois communes Inch Thomasic c'est la source. Donc moi pense que il y a plus de 40 ans depuis que mon lolo a toujours bataille pour que route ça fait. Si vous pas de grand député dans coup de la clause qui t'a représenté au parlement qui t'a campé qui t'a parlé avec le président pour la nécessité pour te faire ça, il pas bien qu'a fait. Si pas de un député dans coup Wolf Papillon qui t'a représenté Corail, eh bien grand pile bagaille Corail qui fait, il pas qu'a joindre lui. Et nous même pense que nous mêmes c'est yeux population, c'est bouche population, c'est nous qui qu'a frapper pour population hein. Chaque fois qu'on a un problème dans le pays, nous-mêmes nous sentons, parce que c'est nous-mêmes qui ont une relation de proximité à la population. Donc, je pense que il y a un secteur qui est derrière la population, qui a dit la population, elle est là. Et la population commence à avoir une maturité politique. Vendredi, samedi, ils sont sortis, ils ont sorti, ils ont pris une décision, ils sont sortis dans la rue. Après, il y a un ensemble de politiciens traditionnels qui lançait au mode de grève avant hier pour manifestation crasé brisé. Tout le monde était là caillou. Ça veut dire qu'on commence à la maturité, ils même yo pas quitté au même côté au vle mais eux même qui connaissent ça au vle. Ça peuple a vle, il sorti, il mandé le président faire bac, nous même parlement n'a pas fixé responsabilité à monde qui doit prendre responsabilité yo. Donc en fait, nous capable dire peuple haïtien chapeau bas pour nous, n'a travail ou mettre pose 50e législature. Après, il travaille pour vous satisfaire parce que c'est vous qui voyez nous en bas, nous continuons de travailler pour vous. Pas quitter aucun politicien traditionnel, après, maintenant, on compte pour aller tout, mettre en tout, aller bouler, écraser. Ça ne va pas mener nulle part. Mais on se le bagaille, nous prenons responsabilité, nous, comme hommes d'État et femmes d'État. Voilà, bon, c'est parfait. Et c'est ça, mon attendu, c'est que la question de disparité à l'Imouès. Et on nous a espoir tout à peu ça, c'est-à-dire que les jeunes ont perdu l'espoir. Puis passer tout et accès travail pour que il y ait accès à services sociaux de base, école, hôpital, et qui va le faire que le nombre de malades pas obligé de penser et voilà le bon, évidemment, n'est-ce pas? Et c'est ça, et puis permettre que mon yo fier pour appartenir à pays après que dirigeant va penser pour yo, dirigeant va prendre des décisions qui allaient dans le sens et pour aider à améliorer les conditions. Mais c'est la stabilité qui crée richesse. Ça veut dire aucun pays de stabilité pas de richesse qui crée là-dedans.
enfin. Donc, je pense que nous-mêmes, la stabilité politique, c'est un bagage qui est capable de permettre plus d'investissements qui sont faits dans le pays. Il y a plus de monde qui veulent visiter, les touristes veulent venir visiter. Moi, je suis à Masse avant, je suis regardé sur les réseaux sociaux, quand il y a 5 bateaux croisés qui sont à Masse. C'est des milliers de touristes qui visitent Bahamas qu'il y a là. Et pourquoi pas Haïti ou pas Veneto? Parce qu'il y a un problème d'instabilité politique. Et autant qu'il y a des touristes qui fréquentent, il y a plus comme qui rentrent, il y a l'État qui a des moyens, qui a plus de services, tout. Et laisse à tout, pauvreté qui est dans la réalité, pas bien, il va diminuer. Et nous-mêmes, comme hommes d'État, nous avons essayé d'arranger nous pour nous capables de plus de services à la population, parce que c'est pour ça qu'on a voté. Parfait. Bon. Là, je vais vous dire toujours, et vous avez des messages, des gens qui ont posé des questions. Mais est-ce que c'est pas le système qu'il faut changer? Est-ce que c'est le changement de monde qui va le faire? Ben, elle a changé les réseaux. D'ailleurs, en 2008, nous avons émis de la fin. 10 ans après, nous, ça va, je veux dire. Mm-hmm. Bon, autant de questions qui sont dans le débat. Mais de toute manière, rendez-vous assez près demain samedi, et au niveau de la Chambre des députés, pour séance qui était en continuation, pour qu'elle reprenne. Et pour l'émission, il a annoncé le matin sur Twitter, sur compte Twitter, il Paris, demain à 10h. Pour la répondre aux questions honorables députés. Merci député de la Cousse, merci député Papillon parce que vous étiez disponible. Déjà merci et bon travail, bon week-end. C'est moi pour remercier Ose Gino et moi féliciter collègue Papillon parce que c'est bon amis, nous tous travaillons ensemble et peuple haïtien, moi compter sur nous, nous demander pour nous capables toujours rester compter sur parlement haïtien parce que parlement haïtien, c'est nous qui voyons députés sénateurs en bas, pas côté monde pour écraser briser. Peuple Thomasique, nous mettons compter sur député de la Clause. Nous travaillons pour vous pour nous capables d'avancer. Merci, au revoir. Voilà, deux invités à mise au point, député Rolf Papillon, honorable député de Corail, député Francisque de la Clause, honorable député de Thomasique, avec eux. Nous débrassons l'idée matin. Merci tout le monde, nous sommes avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.